Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier un formulaire d'inscription de newsletter qui a été créé avec l'extension Bloom d'Elegant Theme. Donc, pour ce faire, dans l'administration de votre WordPress, dans le menu de gauche, vous allez donc à Bloom. Vous cliquez sur Opt-in Forms, donc les formulaires d'inscription, Opt-in. Donc là, vous allez avoir la liste de vos formulaires. Donc là, vous voyez qu'ici, j'en ai quatre. Et le but du jeu, ça va être de modifier donc le dernier formulaire dans l'article. Donc vous voyez que là, vous avez toutes sortes d'icônes qui servent soit à dupliquer, à rendre inactif, pardon. Dupliquer ici, pardon. Là, c'est ah oui, pour faire des tests AB. Donc supprimer. Et enfin, ce qui nous intéresse, donc l'icône modifier. On clique dessus. Voilà. Et donc ensuite, bah, il vous suffit de modifier. Vous pouvez modifier le nom, le formulaire. Enfin, comment je veux dire, l'application d'auto-répondeur ou de newsletter que vous utilisez. Donc, bah, vous choisissez parmi toutes celles qui sont disponibles, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, voilà. Bah, en fait, ça revient au même que un peu d'une création, hein, sauf que là, c'est une modification. Donc, si vous voulez, par exemple, modifier le design, on continue. On va là. Donc là, vous choisissez, bah, vous pouvez changer votre titre, votre texte d'incitation. Vous pouvez changer l'affichage de l'image, donc où elle s'affiche. Là, vous changez l'image en elle-même, les animations et autres, ainsi de suite. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous refaire le détail. Je vous renvoie à mon tutoriel sur la création d'un formulaire avec Bloom. Donc n'oubliez pas ça, juste à la fin de cliquer sur sauvegarder et quitter. Voilà. Et le tour est joué. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!